Ona da şey eklemiş, dövüşen adamı sevmeyiz ama bizi korumayan adamı da sevmiyoruz. Şu defa bekliyoruz. Bir de bayan yok ki bir yanda. Yani voilà, olsaydı, yarın şüphesin puan. Ama demek ki olsa, valla yine... Kaçın. Bayan olsaydı, tanket, Türk kasları burada abi. Diyorsun. Diyorum. Zaten senin iki tokatlık işin var. Dünyaya batırsın. Bayan en azından bir fonfer de bazıları bir tokatlık. Diyorsun. Sesim var. Diyorum. Hayır abi, üfle uçsun. Sesim öper öper. Ha, ben bana vurmak mı istiyorsun? Dur, kendi kendime vurayım. Faden sert kaya küçü. Mardiri ben gelmiyorum stüdyoya. Sizi pour se faire courser. Ah ouais, mais en fait, c'est vraiment une chance de comment dire de Sivaslı quoi. En fait, non, c'est pas une chance de Sivaslı, c'est une chance de en fait, o kadar iyilik yapıyorum ki karşılığı böyle geliyor. Ama derler ki Allah sevdiği kulunu sınarmış. Ben de bunu böyle görüyorum ve böyle kendimi avutuyorum. Avut, evet, bu bir avutma. Kesinlikle doğru. Par contre, sana destek olan biri var. Şerife sayılır ki de her dövüşen kavga eden adam mı sanki? Aynen. Doğru. Katılıyorum. En fait, il y en a qui disent que t'es un chat noir. Moi, je suis un peu... Ouf, ça dépend. Ama c'est vrai, radyoya kim gelip gidiyorsa bir olay yaşıyor. Bana da sapık şey yapmıştı, yolumu kesti. En fait, ouais, radyoda bir şey var. Buraya bir kurşun döktürmek lazım. Bana. Kurşunu bulsana. Kurşunu? Bana var de... De çakma hocak ki fonsa, no? Je sais pas, j'en connais pas trop. Si vous en connaissez, vous nous appelez, hein. Çakma hocaları İsmail tanır işte. J'en fais partie. Anlatma konusunu İsmail. Qu'est-ce que t'as fait comme enfin sen mi? İhanet. Evet, ihanet konusu çok yemişsindir sen. Ben dedeme ihanet ettim. Dedene. Evet, dedeme. Hala yaşıyor mu? Vay, elhamdülillah. Tamam. Vay, bu aralar özür diledin mi? Garip. Efendim? Özür diledin mi? Haberi var mı? Ne ne özledin mi? Yok, özür diledin mi? Özür diledin mi? Ah non, avec mon dédé, normal, tranquille, c'est la famille. D'accord, alışmış o zaman. Ouais, ouais. Ne yaptın, anlat bakalım. En fait, avec mon dédé, on était posé au salon, salonda televizyon izliyoruz. Et lui m'a dit, şeyi aç, kayıp aranıyor. En fait, kayıp aranıyor, c'est truc, il divanç. Ouais. Tu vois, il regarde les femmes, mon grand-père veut toujours se marier à cet âge-là, mashallah. Et moi, je regardais, je sais plus, je regardais quoi, je regardais un bisou, un truc comme ça. Mmh. Et il s'est levé, en fait, mon dédé du salon, parce que ça l'a saoulé, ce que je regardais. Et il est parti où il y a les chaussures, tu vois, à la véranda. Et moi, j'allais prendre du coffee, je sais plus quoi, j'ai vu mon dédé, il était en train de savater mes chaussures, en m'insultant. Tu vois. Et ça m'a fait rire, j'ai fait dédé, n'a plus, il m'a fait, hé, tu vois, il y a comme ça. Mais et le jour-là, je devais le laver, mon grand-père. Ouais. Tu vois, douche à jacques, je devais le laver. Donc il rentre dans la salle de bain. Et moi, pour me venger, en fait, j'entends « Hadis mal !» Qu'est-ce qui se passe? Il a raccroché en même temps. Voilà, il n'a plus de batterie. Oh mon Dieu. « Hadis mal !» Et en fait, on va... Ah non, on va pas terminer à sa place. Allô? Oui, ça a raccroché. Ça a raccroché. Efendim? Non, rien. D'accord. Hadi İsmail. Buyur. Sonra? Ha, nerede? Je sais plus, ça a accroché où, en fait. İsmail. Hadi İsmail. Voilà, j'entends, hadi İsmail, gel, hazırım. Et en fait, j'ai fait, vas-y, je vais pas le laver, je me suis caché dans la chambre. Et il a crié en dansant le game, c'est tout de schnalde. Oh mon Dieu. Non, mais... Oh, le méchant. Ouais, mais j'étais jeune, j'avais 23 ans. Il me dit, tu sais, ils disent tout ça. Oh, mais j'étais jeune, attends, j'avais 23 ans. Mais t'en as que 3 de plus, quoi. 3 ou 4, 3. Non, mais j'ai 2 ans de plus là. Mentalement, ah, il en a moins. Ouais, mais ouais, au niveau mental, ouais, ça a baissé encore. Non, mais ça arrive, c'est pas grave. Ouais, c'est la vie. On t'aime quand même, hein.
Bah, merci Allah, c'est, franchement c'est réciproque envers toi. Merci, non mais à moi seulement. Julia qui dit, waouh, il lave son grand-père, nerele çocukmuş bu, odundan beklemezdik. T'as vu ça? Ah, voilà, ben dis, dis-le. Et tout de suite après, quand t'as dit que tu l'avais pas lavé, au final, elle a dit, pardon, j'ai parlé trop vite. Ouais, mais je l'ai pas lavé une fois, je l'ai lavé 15 fois. Mais non, pourquoi non, mais c'est pas bien de dire les güzel yaptığını şeyleri söylemek iyi değilmiş. Ama hayır değil de. İyilikleri söylememek lazım. Bu iyilik değil ki abi, bu görev, no? C'est bien. Voilà, bu iyilik değil, bence bu iyilik değil, ça c'est notre devoir. Dedelerimize, evlerimize bakacağız. Elif Karasyan qui dit, il est arrivé au stade de maturité à l'âge de 25 ans. Qu'est-ce que t'en penses? Elhamdülillah, yine gelmişim. Daha da geç olabilirdi. C'est vrai. Oui. Non mais c'est vrai. Non mais franchement, j'ai envie de dire un truc à tous les gens qui écoutent. Franchement, Halabi c'est un bonhomme. Allah Allah. Wallah Halabi, franchement. Qu'est-ce qui t'arrive? Franchement, moi, putain, je te kiffe. Hein. C'est vrai. Hein. Moi, je te connais pas. Hein. Je t'ai vu deux fois dans ma vie, mais pff, c'est une crème. D'accord. Pas fouetté, Béthune. Hein. Une crème normale, tu vois, la crème qui sent bon, bien, mange. Et qui met le bandelier. Halab, c'est comme ça. Pourquoi j'ai droit à ces remarques? Non, parce que c'est franchement, c'est... Non, vallah. Ne yaptın ben sana dün? Non. Çay sunmadın, değil mi? Yani kahve, çay falan. Non. C'est vrai, en plus, c'est quoi? Eve döndüm. Et après, en fait, j'étais dans mon lit. Et je fais... Oh, ana, çok ayıp oldu. Misafirimize bir de adam gibi bakmadık. Non, mais sérieusement, on a même pas offert quoi que ce soit vêtu. Mais c'est pas grave, kendi evi gibi gitsin, kendi yapsaydı. Aynen, misafir umduğunu değil, bulduğunu yer, değil mi? Evet. Bu arada İsmail, bu yağ mı çekiyorsun sen şu an? Soranlar var. Non, franchement, c'est pas yağ, c'est vrai, hein, c'est sincère. En plus, hier, j'avais des soubera pour Halil abi. Yağmurun yüzünden almadım, Allah'tan da almasın abi. T'imagines, tu t'étales sur les sous-beurrés et tout. Wow. Et après, tu nous ramènes et tout. Un salon sous-beurré qui ressemble à rien. Un salon sous-beurré qui ressemble à rien. En plus, c'était excellent. Voilà, c'est. Annem se faisait lire. Mais je te le dis, je voulais même pas les faire à l'abbé, ma mère. Ouais. Annem se sous-beurré, il y a plein de notes qui me. Je vois la radio et que tu me fais. Je suis en radio, je suis sous-beurré, mais après. Je fais Annem, on va pas la cause pour la jacquard. Elle m'a fait quatre steps, si tu m'as dit. D'accord. Je dis bir tane yeter işte. Bir hafta da nasip olmadı. Evet, çok fort. O zaman biz birkaç tane kız bulalım sana. Alors, vous êtes sûr que ma mère, elle a perdu 24 sur vous. İnşallah. İnşallah. Hayırlısı kısmet. Hayırlısı tabii ki, yani kesinlikle yani. Sen dört gözle aç, sağa sola bak. Yani bunu... Vallahi abi, Bak, bıktım. Artık bakmıyorum. Onlar bana baksın. Halil abi. Efendim. İsmail'in gözü sende gibime geldi. Ben açıyorum bu tür. Halil abi, moi je te dis ya, j'aurais été une femme, je t'aurais donné ya. Yani kendimi verdim sana. Sağ ol canım. Afiyet ol. Valla. Mais on parle pas. On dit pas, je t'aurais donné. Non mais voilà, mais je sais que j'ai fait une gaffe là-bas, mais... D'accord. Neyse sen, voilà. Uykun gelmedi mi oğlum? Voilà, je suis dans la voiture avec mon cousin. Lequel? Je suis venu voir mon cousin, Yassin, le frère Afati. Vous ne connaissez pas. Ouais, d'accord. On allume la radio, on entend qui? Ahmed, qui parle après Fati. On a fait chez Delem, Halhatr Suradum. C'est la soirée de Sivas, là. Voilà, exactement, ça, c'est Sivas. On est gentil, non, abe? C'est vrai. Toi en particulier. C'est vrai? Ben et Bilazia. Merci, Allah. Non, franchement, moi, je t'aime beaucoup aussi. Merci. Vallahi ça fait plaisir. Beni seven yok zaten. Non mais c'est vrai. En plus, tu vois, hier, Halabi, t'as fait un truc qui m'a fait grave plaisir. Ah bon? Çıktım, tu m'as envoyé deux messages. Dikkat et. Yavaş git. J'ai fait, putain, le gars, mon truc, je te connais depuis 15 ans, il m'envoie des messages, ça fait plaisir. Bah, en fait, j'ai vu ta tête, j'ai vu que t'étais défoncé. Et en plus, c'était 1h30 du matin. Et j'avais un peu le... Voilà, je me sentais un peu mal de t'envoyer... sur la route, alors que voilà quoi. Mais tu sais quoi, Halabi, je vais t'avouer un truc, ça n'a rien à faire, Ledem. Quand je dis ouais, tout se passe bien, non, mais quand je dis tout se passe bien, en fait, j'étais en train de chercher la voiture.
Parce que la voiture, je l'ai perdue en fait. Je sais plus, je l'ai garée. Kaçtın ya orada. Evet. Ya işte ben arabayı aradım dün akşam. Hani hoşça kal dedik, biz yaptık, sonra siz gittiniz. Ben gittim garip garip yürüyordum. Hangi tarafta bu araba? Hangi tarafa gittim? C'est pas vrai. Je sais même pas le nom de la rue. Ya rue'nin sokağın ismini bilsem taksi alıp gideceğim. Je connais pas le nom de la rue. En plus je marchais bien contre les murs et tout. On sait jamais si je recroise des gars, tu vois. Arkadan markadan gelirler. Ouais, hier laisse tomber, c'était... Et tu l'as trouvé à quelle heure du coup la voiture? En fait, la voiture, je l'ai trouvée, c'était 2h30. Oh mon Dieu. Oh, mais c'est pour ça, hier, quand t'es venu, quand t'es arrivé, t'as appelé la radio, t'as dit, mais tu es sur le copier-entier et tout, tu m'as agressé au téléphone. Ouais, un peu, ouais. Bon, non, il était tout essoufflé, il était... Ouais, laisse le dos, sizin için. Halil için. Sağ ol canım. Aynen. Ben unutmam. Ben de. Benim hayranlarım nerede bu arada? Beni de sen sus Betüş, biz konuşuyoruz. Yani bugün hepsi sana çalışıyor. İsmail, merci beaucoup en tout cas d'avoir appelé. C'est moi qui vous remercie. Bonne soirée. Bisous. Allez, ciao. Bisous. Ciao.